time for responses. The member from Nepean Carleton. Merci, Monsieur le Président. Je suis fier d'avoir le privilège d'adresser l'Assemblée au nom de Tim Hudak et de Caucus Ontario PC au sujet de la loi sur la modification des services en français. J'aimerais féliciter Madeleine Meyer et France Janina pour le travail qu'elle a accompli concernant cette loi jusqu'à présent. Il est important que le commissaire de la francophonie soit justiciable auprès de l'Assemblée et que les membres aient accès à ses rapports et ses conseillers. Il est probable que l'Assemblée a appris dernièrement que j'ai endossé la tâche additionnelle de portefeuille en matière d'affaires francophones au sein du caucus Ontario PC. Quoique je dois admettre que je commence à bien mes efforts à apprendre le français et que je ne le parle pas couramment. J'ai offert d'endosser cette responsabilité car la langue et la culture française sont des sujets importants dans ma circonscription de Nepean Carleton, au sein de ma ville, Ottawa, et à l'échelle de la région de l'Est de l'Ontario. C'est ainsi la raison pour laquelle je m'y suis inscrit à un cours de français. Plusieurs membres de cette chambre savent que mon mari et moi avons opté d'enregistrer notre fille dans un programme d'immersion précoce en français dès son entrée à la maternelle. Nous avons pris cette décision de l'enregistrer dans ce programme parce que nous sommes réalistes et que nous comprenons que le fait d'être en mesure de parler les deux langues officielles du Canada lui donneront tous les avantages dans ses perspectives d'avenir. Et, de plus, nous avons choisi d'éduquer notre fille en français parce que mon mari, Joe Werner, a beau fièrement son héritage acadien et provient de longue ligne de Comeau en province Digby, en Nouvelle-Écosse. Malheureusement, sa famille a perdu son héritage acadien peu à peu au fil des ans. Maintenant, en troisième année, Victoria s'exprime couramment dans sa langue seconde et à chaque année, elle célèbre la fête de Sainte-Catherine. L'an dernier, sa classe m'a permis de célébrer la fête avec eux et j'ai pu les aider à préparer de la tire. It was very good. L'enthousiasme démontré par notre fille concernant son héritage mixte acadien et cause est un régal certain pour nous, ses parents. Nous sommes vraiment fiers de voir sa facilité à converser dans nos deux langues. Lorsque j'ai annoncé à Victoria que je vais offrir de le prendre la responsabilité à titre de porte-parole en matière d'affaires francophones, le petit, avec son sens de humour habituel, roule les yeux et me disait « Maman, je pourrais accomplir la tâche mieux que toi. » Le droit approuvé. Le journal Le droit approuvé. Les petits délices de la vie d'un porte-parole de l'opposition, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, je suis heureuse d'avoir été nommée à ce nouvel rôle par le chef PC. En sait, j'ai créé un nouveau poste au sein de mon équipe afin de prendre ce dossier en main. Notre adjointe de direction et conseiller en matière d'affaires francophones sera nul autre que la fille de notre ancien ministre des Affaires francophones, Noble Villeneuve. Roxane Villeneuve sera la responsable des relations avec les intervenants, les communications et les relations communautaires. Elle travaille era une équipe avec Martin Forger, lequel a accepté d'agir dans un rôle consultatif auprès de mon bureau. La fin de semaine passée, le délégué représentant l'Est d'Ontario au Congrès du Parti PC ont adopté à l'unanimité une résolution notre qui réitère notre respect de la culture francophone, l'hôpital Montfort et la loi 8.
C'est alors que j'ai pris l'engagement personnel envers l'éducation de langue française en Ontario à titre de porte-parole en matière d'éducation du Parti PC, ayant prêté main forte aux commissions scolaires francophones de ma propre circonscription, et ayant, Carol, pu discuter avec les faux. La sous-union décent et enseignant de l'Ontario à m'avoir permis de m'y joindre à eux lors de l'Assemblée générale annuelle. Un esprit de générosité pareil ne s'oublie pas. Donc, Monsieur le Président, c'est un privilège énorme que d'assumer cette responsabilité et je suis tout à fait prête à travailler avec mes collègues en tant que porte-parole de l'opposition officielle pour les affaires francophones. Merci, Monsieur le Président.